Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une activité à réaliser avec les enfants pour la fin d'année, pour offrir aux maîtres et aux maîtresses. Donc c'est en fait une petite boîte à savon avec donc les petits savons à l'intérieur. Donc voilà, que vous pouvez offrir donc pour la fin d'année. Je vous retrouve avec les explications et le matériel. Alors pour réaliser votre bocal savon, il va vous falloir évidemment un bocal en verre vide. Il va vous falloir des petits savons. Alors les petits savons, vous pouvez les acheter directement ou vous pouvez les faire grâce à mon tuto savon qui se trouve ici. Donc il y aura juste à les couler dans des moules différents de ce que j'ai fait. Il va vous falloir des ciseaux, un tissu de votre choix, une feuille blanche, des feutres, du masking tape si vous en avez, sinon vous faites des petites décos vous-même. Il va vous falloir du scotch, du fil ou du ruban et des petites perles. Donc, tout d'abord, on va venir découper un morceau de tissu qu'on va venir placer ici pour cacher le capuchon, comme ceci. Et puis, on va venir le fixer avec... Tout d'abord, on va venir commencer par mettre les petits savons à l'intérieur. Ceci. Une fois que vous avez rempli votre pot avec les savons, refermez le bouchon. On va venir placer ensuite le morceau de tissu sur le capuchon et avec votre fil, on va venir passer tout autour pour venir bloquer le morceau de tissu. Voilà, donc vous faites plusieurs tours, hop, et on va venir faire un petit nœud. Voilà. Pour habiller un petit peu ce petit nœud, on va venir mettre des perles. Donc moi, j'ai choisi des perles de la couleur de mes savons hein, pour que tout aille bien ensemble. Voilà. Et puis faire un gros nœud pour que ma perle ne sorte pas. Voilà, on a une première petite déco. Alors là, vous voyez qu'ici, c'est pas très joli. Vous pouvez revenir découper hein, tout autour votre tissu pour obtenir quelque chose de plus joli. Voilà, donc la première étape. On va venir maintenant faire une petite étiquette qu'on va fixer sur le bocal. Donc pour l'étiquette, je vais venir déjà noter les savons de ma maîtresse. Évidemment, si vous faites ceci pour une autre occasion, et ben vous changez juste le message. Une fois que vous avez noté les inscriptions que vous souhaitez, on va venir décorer avec le masking tape, la petite pancarte. Donc tout d'abord, on va venir la découper un petit peu. Pour pas que ça fasse un bête carré, on va dire. Voilà, et on va venir mettre donc le masking tape. Voilà, donc j'ai terminé mon étiquette. Je vais maintenant venir la coller ici, sur le côté de mon pot. Voilà, donc j'ai collé mon étiquette. Maintenant, vous pouvez faire des petites décorations sur le dessus si vous avez des feutres indélébiles ou coller des petites choses si vous souhaitez. Et voilà. Voilà, j'espère que mon petit tuto boîte à savon pour la fin d'année vous a plu. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube d'autres tutos, notamment ceux des petits savons. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Vous pouvez aussi venir sur ma page Facebook pour partager. Donc ma page Facebook c'est Créabulle. Et sur mon site internet créabulle.fr. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.